Salutations, nous nous retrouvons à nouveau sur God of War pour la suite de notre aventure et on est avec notre fils Atreus, il est Il est incroyable, là. il sait lire et pas moi, et ça c'est beau. Ah, c'était une sorte de marché. Les géants se rassemblaient ici pour commercer avec les dieux, il y a très longtemps. Je me demande si Odin est venu ici. Probablement. Au-dessus de nous! Quelque chose brise le mur! Il y a quelque chose derrière Là? le mur! Ah, il est pas sensible. Ouf. Il apprend la tuer le gamin. Bien joué. Oh la parade parfaite mon gars. Ah. Bon c'est pas parfait mais l'important c'est le résultat quoi. C'est vrai qu'on peut faire comme ça aussi. Genre on peut rentrer en mode SPH. Hop là. SP lancé de hache. Qu'est-ce que tu as à faire? Ouf, bien joué. Bien joué. Ah. 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 Bah nickel. On a pris le full combo. Bah nickel. Genre on était bien et là d'un coup on a tout pris dans la bouche. Vas-y, je l'attends. Ça veut dire que je trollais en mode je suis trop balèze. Ah là là, la roulade qui passe pas, c'est dégueulasse. Mais lâche mon fils! Oh, ouf, 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 ouf. Lâchez mon fils. Voilà, c'est la balade. Un petit peu de concentration et ça passe. C'est bon. Bah non. J'ai l'habitude de la guerre. Je suis la guerre, comme dirait l'autre. Oh, tu entends? Qu'est-ce que c'est? On verra bien. Ne t'éloigne pas. Ça, c'est une dame un peu folle, hein. Je reconnais. Mais qu'est-ce que c'est? On s'approche du champ bizarre alors. Bon oui. Hein. Ah, madame. Oh la parade. Pardon, je suis pas prêt.
Ça fait un effort, gamin. Boum. Ah, dommage, on l'avait. Ah, bien joué. Ah, la katane Babylone. Ah, salope. Ah là là, on prend cher. Hein. Ah non, dommage. On prend tout. Voilà. Bon, on a été en difficulté, on va pas se mentir. J'aurais jamais pensé en voir une de si près. Ah, on a une compétence? Oh oui. Non, celle-là, on l'a déjà. Acheté. R2, là. Maintenir, hein. Ça c'est stylé ça. Un, deux, trois, boum. Ça j'aime bien. On achète ça. Hein. Attention une sorcière. Bon ben moi je vais manger, à plus. A plus Jesse. Je comprends toujours pas pourquoi cet homme t'a attaqué devant chez nous. Bon, non plus. Je te l'ai déjà dit, je ne sais pas non plus. Il faudrait qu'on arrive à remonter là-haut. Mais comment? Suis-moi. Follow me. Ah, je pensais qu'il allait sauter de l'autre côté, mais non. Ah, c'est bon. Là, je vois, là. Ça, c'est un coffre, ok. AP de 2. Ah, ça, c'est pareil, c'est les yeux d'Odin. Voilà. Alors, où est le dernier? Il est là-bas. Oh là là, on l'a ouvert en deux. Littéralement. Des drogués? L'animation qui me sauve. Ça dégage. Un guerrier géant fait de pierre. Il la prépare à une grande bataille, on dirait. Odin est là, et Thor, et même le serpent monde. Oh, Thor a dû lui fracasser la tête. Tu vois? Mais là, il est écrasé sous le corps de Hrungnir. L'idiot. L'idiot.
Atreus, par ici. D'accord. Dis-moi le papier, là. Connaissance ajoutée, ok. Ok, on était déjà bien vénère, du coup ça sert à rien. C'est quoi encore là ? Une pomme. Ah d'accord. Plutôt, t'as dit que des gens essaieraient peut-être de nous détrousser. Je les tuerais s'ils essaient. J'ai pas peur. Si on rencontre des hommes, tu resteras à l'écart. C'est compris ? Mais je peux me battre maintenant. Tu resteras à l'écart, Atreus. Un point, c'est tout. Ok, il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a encore. Ah, bien joué. Ah, la catin. C'est quoi? On va y aller en coup. Ah, bien joué. Bon, il y en a plus, il y en a encore, quoi. Ah, la catin est en train de m'enchaîner. Vas-y, là je l'achève. Là, je me souvenais pas que c'était tendu en vrai. Je me souvenais que c'était une balade de santé. Je devais être meilleur aux jeux vidéo avant. Ça fait de la peine. Doit y avoir un moyen d'accéder là. Alors attends. Bon, ok, c'est après.
Non, y'a rien. Mort. Tu penses qu'on sera en sécurité? Tu penses que c'est plus sûr ici? C'est quoi cette odeur? L'odeur de la mort. Imbibe-toi de cette odeur. Ce sont des Eliens? Ils sont vivants, regardez. Préparez les feux! Zygmunt, des couteaux! Tant de jours sans viande fraîche. Viande? Ah, des cannibales? Reste derrière moi. Et s'ils se transforment comme les autres? On va devoir les maintenir en vie. Taillés dans la viande, morceau par morceau. Laisse-moi m'occuper d'eux. Vous avez attaqué le mauvais cheval, comme on dit. Vous avez parié sur le mauvais cheval. C'est un peu plus logique. Ah, mais ouais. Je vais faire une parade parfaite, mais j'ai échoué. Je m'attendais pas à me faire surprendre. Ok, il a tué un humain. Enfin, il a tué un homme. Il est lourd. Atreus. Je le regarde pas trop dans les yeux. Le faire à la main. De toute façon, ils sont pas sensibles à la hache. Ah, bien joué. Je pensais l'avoir esquivé facilement juste en me déplaçant. J'ai été naïf. On va lui faire une courte échelle. Il y a forcément une issue. Bah moi j'aurais dit la courte échelle, mais ça marche pas. Bah là, du coup, la courte échelle. Va libérer la chaîne. Oui. Mais y a un peu de volonté. Atreus, la chaîne. La chaîne, oui.
Dépêche-toi. Allez. Tu réfléchis trop, mon garçon. N'y pense plus. Il t'aurait tué. Je sais, j'avais pas le choix. Je comprends, c'est juste que... Dans ce cas, nous allons rentrer. Quoi ? Abandonner si vite, alors que nous venons de partir. Non, j'abandonne pas. Je peux le faire. Il faut juste que je... Enfin, que je reprenne mes esprits. Monte. Je suis prêt. Je pensais qu'il était parti, mais non. Écoute-moi. Pour bien se battre, un guerrier doit être sans pitié. La route qui nous attend est longue et semée d'embûches. Elle n'est pas faite pour un enfant. Alors sois un guerrier. Je comprends. Arrête d'être un enfant. La logique, c'est quand même... T'es un enfant ? Arrête. De l'acier doux. C'est comme de l'acier dur, mais il est doux. Pas moyen de faire traverser le pont à cette saleté de bourrique. C'est parce qu'elle a peur de quelque chose là-bas, dans les arbres. De quoi tu parles ? Père, lance ta hache dans ces arbres de l'autre côté du pont. Ceux avec le tronc blanc. Bah y'a quoi ? Tu avais raison. T'as, il a l'œil, hein. Tu m'as l'air sacrément futé, mon petit gars. C'est bien un petit gars, non ? Elle a un nom ? Aucune idée. Cette sale bête m'a jamais demandé le mien, alors j'ai pas demandé le sien. Et toi ? Brock. Vera Logan. Tu sais, tu vas sûrement pas me croire, mais... Cette hache que t'as là, eh ben c'est moi qui l'ai faite. Moi et mon frère. Une de nos plus belles réussites. Alors laisse jamais personne y toucher en dehors de nous deux. Tu dois la manier avec grâce, si t'as pas envie de l'esquinter. Je peux y jeter un œil et te la peaufiner maintenant, si ça te tente, le balèze. Qu'est-ce que t'en dis, hein ? Oh ! Tu avais raison. Je ne te crois pas. Viens, mon garçon. Il y a une rune qui a la forme d'une fourche en bas du manche. C'était notre marque, mon frère et moi, avant qu'on se sépare. Regarde, j'en ai une moitié ici. Alors, tu veux que je l'améliore, oui ou non ? Très bien. Tâche de ne pas me décevoir. Mais où est l'autre moitié de la marque ? Ah, c'est mon imbécile de frère qui l'a. Mais c'est moi qui ai tout le talent. Regarde. Vas-y, montre-moi. Occupe de ça. Voilà, là je lis pas, hein. je suis en mode vite le tuto. Jamais aimé les tutos. Il nous faut de la flamme glace, ok. Pour l'améliorer à nouveau. Et on peut améliorer un peu tout. Tu veux quoi, petit ? Il nous manque de l'acier doux.
C'est pour les acheter là? Ouais, c'est pour acheter. On va fabriquer ça. Ça, c'est du matériel de qualité. De connaissance, ça va faire une journée. Ça parle mal. Un truc pour le petit. Non, il mérite pas. Il est pas prêt. Et ne regarde pas, mais nos amis qui se cachaient dans les arbres sont de retour. Allez, c'est le moment de tester ta hache. Y'a de la place pour moi? Ouais, tant que tu casses rien. Ouais, les dégâts sont un peu augmentés, hein, ça c'est vu. En un coup, je l'ai vu là. Bon, dommage. C'est pas sable. C'est pas sable. Menteur. Non, en vrai, c'est visible. Bon travail. Bah, ton père est un vrai tueur. Tu veux devenir comme lui? Je suis pas sûr. Ce chemin. T'as raison de pas être sûr. Je regarde juste ce qu'il y a là. On a une rune de bouclier? Oui. Non, ça change juste... ok. Ça change juste l'apparence. L'apparence, pardon. Il mène à la montagne. C'est la bonne direction, oui. Tu veux racheter un œil à ma marchandise? Non. Brock. Qu'est-ce que... Pourquoi tu perds à la moitié de votre marque? Parce que je veux plus jamais travailler avec ce lèche-botte. J'allais pas le laisser l'utiliser tout seul, et lui non plus. Alors, la seule solution, c'était de couper la marque. 50-50, pile au milieu. Y'a plus que là-dessus qu'on était d'accord. Bon. Quoi? Tu veux que je t'embrasse? Bon, pourquoi pas, mec? Viens. Ravi de t'avoir rencontré, Brock. Je vais réfléchir à un nom pour ton animal. Et je l'appelais Franchot Vingras. Franchot Vingras, viens là. Ça te plaît bien? Alors, attends, Atreus. Atreus, avec moi. Donc, c'était là le coffre. Tu m'as laissé me battre seul. Oui. Les hommes, c'est une chose. Tout le reste, tu dois le combattre. Jusqu'à ce que je t'arrête ou qu'on soit mort, c'est compris? Fais un effort ou on rentre à la maison. J'ai compris. Bien. Bon, on va l'ouvrir histoire de... Non, non, on passe pas. Oh, attends. On est revenu ici. Ouais, je sais. Allez, viens. Pareil, une des qualités du jeu, pour moi, c'est quand même le fait qu'il n'ait pas de DLC. Alors ça peut paraître bizarre étant donné que... qu'un DLC c'est pas obligatoire, mais en moins comme ça t'as pas de contenu ou tu n'as pas accès. T'achètes le jeu est terminé, et c'est sympa. Hey, soyez prudents là-dedans. Cet endroit vous fera pas de cadeau. On peut aller par ici. Par ici. Donc.
Voilà. Encore un petit peu. Voilà, parfait. Parfait, parfait, parfait. Pas très accueillant. Oh. Voilà. Encore de l'acier doux. Attends-moi ici. Hop là. Ils sont juste à côté de toi, Atreus. Ah, je peux pas ouvrir. Boum. Ah oui. Bien joué. Bien joué. Ah, je crois que j'ai dû lui faire des dégâts, mais non. J'essaie de voir comment faire là. Je pense qu'on va avancer, ça va peut-être m'aider. Ça pourrait être utile. Pas vraiment, bon tant pis. J'avais jamais vu la montagne d'aussi près. Elle paraît si grande. J'aurais voulu que maman voie ça. Allez, viens. Ok, y a rien. Y a rien autour. Hé, hey, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Atreus. Regarde, y a des runes sur le côté. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit ce que nous sommes à deux, à trois, mais que je ne peux être seul. Une énigme. Y a peut-être un indice quelque part. Pas je me dis là.
Il y a peut-être un petit truc. Voyons voir. Ok, j'ai compris. Faut l'aider à former une forme spécifique. Je crois que cette partie est en place. Bah, la seule qui est pas en place, c'est en bas apparemment. Toujours pas. Ouais, mais je sais pas où le mettre en vrai. Peut-être changer l'avant-dernier. Hein. Bah non, changer le dernier juste. Voilà. Je vois les runes. Atreus, que disent ces runes? Oh, ça dit. Famille, c'est pas un indice, c'est la réponse. Ce que je ne peux être seul. Tu vois? Prends ton couteau et trace les runes dans le sable. Vraiment? Kinslow. Il s'est passé quelque chose. Ça a marché. Pas bien joué, Atreus. Bon, en fait, sans lui, on irait pas bien loin. Je suis content d'avoir rencontré Brock. Enfin, on casserait la porte. Je suis encore plus content de quitter cet endroit. C'est derrière nous maintenant. C'est quoi là-haut? Une espèce de sacrifice là. Atreus, regarde ces traces. Peut-être un sanglier. Je suis pas sûr, mais je le trouverai. Vas-y. Les réflexes d'un guerrier doivent toujours rester affûtés. Bah, le même mais d'une couleur différente. Hein. Tu te sens comment, Atreus? Tu te sens prêt? J'espère que tu te sens prêt. Bon, on a réussi à parer au moins. Ouais, la rage aux Spartiates. Je pensais que j'allais pas devoir, minable. Voilà. T'as une chute de la lave, le machin. Ouf, bien joué. Est-ce que ça marche sur lui? Ah oui. Ah ouais, tout doucement, je m'immole. Bah heureusement qu'il l'a dit, hein, je l'aurais pas vu. Hein. Je vais être honnête avec vous. Hein. Ah, bien joué. Il faut du soin. Hein. Ah, bien joué. Pas nickel.
toi. Hop, petit rush spartiate. On lui met tout. Sur le gros, c'est que eux là ils deviennent en kikinant. Ah, bien joué! T'as le pire, c'est eux qui me font le plus de dégâts, hein. C'est pas les gros. Hein. Ah là là! Ah ouais, les petits sont chiants! Je m'étais pas rendu compte de ça. Allez, petite rage. Ah, mais je récupère des PV pendant la rage. On peut s'en servir de soin. J'avais pas calculé ça. Mais du coup, on le fait pas. Comme vous pouvez le voir, on n'écoute même pas ce qu'on dit nous-mêmes. Un peu de soin, ça fait plaisir. On fera plus tard ça. On a peut-être des priorités là, plutôt que de résoudre une énigme sonore. Oh! Non, j'allais dire que le décor se détruit, mais non. Ça dégage. Bon, ça a été un peu plus propre. C'est quoi le truc violet? De l'acier doux, ok. Et là, une attaque runique, ok. Alors, on va voir. Y'a un machin qui m'attaque, non? Bah oui, hein. Ça touche. T'as vu ça? T'y arrives? Atreus, par ici. Intéressant. Je devrais peut-être l'écrire. Oh.
L'œil d'Odin là-bas. Ok, il nous faut le R. Ça s'est rallumé ? Ouais, ça s'est rallumé. Bah, j'essaye de trouver l'énigme. Qu'est-ce qui est écrit ? Les runes symbolisent les trois nornes. Les nornes ? Le destin. Le destin. Alors elles ne peuvent rien apporter de bon. Je vais pas les trouver, hein. Merci pour ton pognon. Certainement durement acquis. Mais il peut pas être si dur que ça, si. Bon, tant pis, j'abandonne. Dommage. Oh, le pognon. D'ailleurs, attendez, on va équiper le truc de... sur l'arme. Enclume, ça fait quoi? Ok, une attaque de zone. Atreus, j'attends ton animal devant. Je savais que c'était incendié. Tire quand tu es prêt. Bande ton arc fermement. Le cuir des sangliers est épais. Pas assez. J'ai touché pourtant. J'ai fait comme t'as dit et la flèche a ricoché. C'est un sanglier magique. Qu'en penses-tu? C'est le sanglier le plus étrange que j'ai vu. Alors rattrape-le. C'est vrai qu'il était bizarre, mais le cerf aussi était bizarre. Non, autre chose. Du coup, bon, ça m'a pas surpris, moi. Certains de ces corps appartiennent à ces créatures étranges. Ah si, il est sensible. Je pensais qu'il était pas sensible aux attaques, mais avec la hache. Bah parfait. Regarde, il s'est faufilé sous le pilier. Je suis pas sûr. Il est passé sur le côté, je pense. Le coude bien haut, la main ferme, on se détend. La précision avant la vitesse. Ouais! Ne le perds pas de vue.
Alors là, on va être vicieux, je sens. Je sens qu'on va pas lui dire hein, qu'il a perdu le couteau de sa mère. On va attendre qu'il panique. Atreus ! Où es-tu ? Dépêche-toi, père ! Comment ça, dépêche-toi ? Pas de pognon, pas de pognon. Atreus. Il ralentit. Attends-moi, Atreus. Atreus. Ça fait penser à un autre jeu. Hein. Heavy Rain, c'est ça? Qu'est-ce que tu as fait? Ah! Atreus! On ne savait pas qu'il était à quelqu'un. Il n'est pas moi, c'est mon ami. Le garçon ne faisait que m'obéir. Alors aidez-moi. Appuyez ici, s'il vous plaît. Appuyez, je vous dis, il perd du sang. C'est le dernier de son espèce dans tout le royaume et vous le tuez. Vous aviez si faim que ça? Il m'entraînait à tirer. Quoi? Il s'entraînait à tirer? Je suis tellement désolée. Maintenez la pression. C'est de ma faute, j'aurais dû être plus vigilante. Il va mourir? Je ne le laisserai pas mourir. Vous... La flèche a probablement sectionné une artère. Trouvez les deux extrémités et maintenez-les. Commencez par le côté gauche. Maintenez-le bien. Là, je maintiens. Le côté droit maintenant. Tenez-le bien. Moi, je maintiens là. Maintenant, rapprochez-les. Alignez-les. Sounan Fokan. Vous êtes une sorcière. Tu ne peux pas finir l'incantation ici. Ma maison se trouve derrière ces arbres. Vous allez le porter. Il ne faut pas qu'il meure. Ah, mais c'est une hippie. Bon. Mais moi j'avais faim, là. Il a l'air stable et apaisé pour le moment. Graisse. Par ici. Bon. Après on lui dit rien, on fait de... Ah, je peux pas faire demi-tour, dommage. On lui dit rien, on fait demi-tour, on va manger. Cet arc est un peu grand pour toi, non? Ma mère me l'a fabriqué. Elle a dit qu'il m'irait plus tard. Je ne t'ai jamais vu dans ces bois. Normal. Tu dois beaucoup lui manquer. Elle... Elle est morte. On emmène ses cendres sur le plus haut pic des royaumes. Ses cendres? C'était son dernier vœu. Atreus. Je suis vraiment désolée. C'est ici. Vous vivez dans un arbre? Pas dedans. En dessous. Emily! Regarde! N'ayez pas. Bah c'est stylé hein. Oh, un petit coup de hache là il est vite parti. Atreus. Faites-moi confiance, il ne craint rien. Il est inoffensif. Bah vaut mieux. Vaut mieux parce que gros comme il est, il pourrait être écrasé à une vitesse incroyable. Oh, c'est stylé hein, quand même.
Beau bébé. Bon, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Sur cette vision des enfers. La tortue. C'est une tortue. On va dire que c'est une tortue. Merci et à très bientôt pour la suite.